pause. Aujourd'hui, jeudi, nous rentrons dans le vif du sujet avec des questions qui, pour la plupart du temps, nous emmènent à nous poser beaucoup de questions. C'est pour vous dire simplement que vous n'avez pas cette facilité de trouver des réponses. Mais par la chance ou avec la grâce divine, nous avons dans cette émission pour aujourd'hui le professeur Camille Agbati qui est toujours là pour répondre à vos différentes questions. Nous sautons de l'étape d'explication des noms et prénoms pour rentrer dans l'anthropologie et expliquer les phénomènes qui nous entourent. On parle toujours de tout ce qui est social. Et la dernière fois, on avait parlé du Lévira, un sujet qu'on a juste effleuré et qui pour aujourd'hui va pouvoir nous permettre donc de pouvoir bien nous asseoir et de faire un développement comme cela se doit. Aujourd'hui, jeudi, Yannick est là avec ses invités et cette fois-ci, nous partons toujours en cuisine avec des plats de chez nous. Mais au-delà de ça, nous avons des viennoiseries qu'on va vous présenter. Elle est jeune, elle est belle, elle est surtout très talentueuse et lorsqu'elle arrive, ça vous donne envie simplement de rentrer en cuisine et de déguster. De profiter, de manger. Manger n'aurait jamais été aussi intéressant. Aujourd'hui, on va vous prouver pourquoi. Nous avons Monsieur Cinéma à la maison et vous êtes nombreux à envoyer ces vidéos-là. Faire un test devant un miroir. Regardez ce que ça donne. Écoutez le son. Voir la gestuelle. Les jeux d'acteurs. Est-ce que vous êtes fait pour ce jeu d'acteur? Si oui, ben vous pouvez vous y essayer. Mais sinon, laissez tomber. C'est pas obligatoire. On a vu des vidéos. Franchement, je ne veux pas voir ça deux fois de ma vie. Merci beaucoup. Alors, on part cinéma avec Mister Joël Missé-Boucou. Aujourd'hui, naturellement, mon mari, mon idéal, il est là pour m'accompagner dans cette émission. Jerry Wisdom, à Javon, la meilleure voix off ici en Afrique et dans le monde entier. Je le dis, je le confirme et je l'atteste. Et ce n'est pas le professeur qui va me contredire. Bonjour, professeur. Comment vous allez? D'accord. Bien. Alors, on célèbre naturellement les anniversaires. Je ne pourrais continuer cette émission sans l'annoncer. Menteur ambulant, le papa de tous ceux qui célèbrent un jour et toujours. Aujourd'hui, on a quel prénom? Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Oh, cet homme d'Odico. Wabala, c'est Hala, Jidula, Zoukenele, Omaru, Avenio, Bazukta, Dobera, Aho, Mouya, non, Jidula, Zoukenele, Omaru, Avenio. Aujourd'hui, nous sommes le 28 janvier 2021 et nous fêtons sur le calendrier grégorien les Thomas, un pays Eve, Yao, Yawa, un pays Kabien, Sarah, Sarabao. Mais pour la consigne du jour, nous avons choisi un prénom qui vient du sud du Togo, spécialement de chez les Wati, Ablam. Ablam. Ablam, justement. Voilà. Ablam, c'est et joli, Ablam. Le professeur aussi est là. Ossane l'a déjà annoncé, on va encore effoler la question du Lévira. Mais on va parler de l'art culinaire dans l'art sacré africain. Là, ben, ça m'intéresse. Ok, alors, ça me donne juste le meilleur pont pour tomber sur notre cher ami Yannick ici présent. Bonjour Yannick. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et voilà, aujourd'hui encore on est là. On va donner de la joie, on va procurer de la joie et surtout on va faire découvrir des mets et à la population, au peuple, en tout cas redécouvrir ou découvrir, faire découvrir à d'autres qui ne connaissent pas. Et aujourd'hui nous recevons une grande dame du pays voisin. Voilà. C'est-à-dire parce qu'on a beaucoup de pays voisins. Oui, du Ghana. Ah. Et parce qu'on parle des mets d'Afrique, du Togo, d'Afrique. Et il y a des trucs qu'on mange ici et qu'on retrouve aussi dans d'autres pays d'Afrique. Donc aujourd'hui, elle sera là pour nous présenter un bon plat. Donc à rester branché, connecté, c'est pour tout à l'heure. Voilà, super. Ça va être pour tout à l'heure. Ah, tu n'as pas le nom du plat? Non, non. Pas encore.
Non, pas encore. Ok, d'accord. Surprise, quand même des... ça se réserve. Billes. Mais derrière toi, il y a des choses. Est-ce qu'on peut juste zoomer sur Yannick? Alors, juste derrière Yannick, sur son étagère, vous avez des viennoiseries. Oui. Hein, vous avez, de l'autre côté, tu ne sais pas comment ça s'appelle, Yannick? Des kitsch, je pense. Ok, je préfère encore attendre notre invité. Elle s'appelle Johanna. Et donc, oui, Madame Johanna nous dira ce qu'on a ici. Exactement. De ce côté-là. Voilà. Monsieur Joël. Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jamais, jamais. Une pensée européenne m'a inspiré ce matin. Mm-hmm. C'est un auteur français, un pilote, qui, avec le temps, est devenu écrivain. Ouais. Qui dit, je cite, une des citations que j'admire. Mm-hmm. La civilisation n'est nulle part ailleurs. Non. Elle se trouve dans le cœur de l'homme. Fin de citation. D'Exit Georges Duhamel. Ça m'a inspiré beaucoup par rapport au développement sur plusieurs jeudis que le professeur fait sur ce plateau. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui inspire ces jeux d'acteurs, parce que dedans, il y a beaucoup de choses à faire ressortir de l'homme avec grand H. Voilà. Et aujourd'hui, justement, parlant cinéma, on va découvrir une fille, sinon deux, qui ont vraiment réussi ce jeu d'acteur-là au travers de ces tests que nous envoyons aux téléspectateurs. On va apprécier ensemble. Voilà, on va apprécier ensemble. Et demain, c'est vendredi. Et vous savez que le dernier vendredi qu'on a eu dans cette émission, on a également eu ici sur ce plateau les candidats de The Voice Pose. Ils étaient quatre. Et demain, on va vous donner le résultat. On a dit clairement que certains pourront s'en sortir. D'autres, malheureusement, vont être noyés. Justement. Mais ça reste pour autant des candidats qui avaient beaucoup de talent et qui manquaient certainement de précision ou de technique. Mais avec un peu de travail, vous pouvez revenir dans la compétition. Si. Mais pas pour cette saison. Malheureusement, ça va être pour l'autre saison. Alors, demain, vous allez retrouver une autre vague. Ils sont quatre et vous allez entendre les meilleures voix. Ces voix-là que vous n'avez pas imaginé avoir ici au Togo. Et croyez-moi, sur parole, vous allez vous dire que tiens, la relève est assurée côté musique. Hein. Et j'envoie un gros coucou à Manu Lior qui sera là également demain. Un gros bisou à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, principalement à Madame Barbara Amouzou de Blisco qui ne rate pas les passages. Exactement, il faut préciser. Voilà. Allez, on va commencer cette émission. Pour cette fois-ci, on ne parle pas pause diète avec Yannick, mais on va rester dans Bizarre avec Mentor Ambulant. Et j'aimerais bien également souhaiter la bienvenue au professeur et lui permettre de bien s'asseoir. Pour cette fois-ci, il y a 10 millions de questions qui viennent. Beaucoup de courage. Bien, Bizarre. Pause. Libre, mais mon cœur n'est pas à prendre. Aucun langage, mais toutes ces conquêtes ne sont qu'un jeu. Elles ont toutes essayé de me mettre dans les passes. Instant de bad boy, je m'en sors de ces offrages. Mais une seule a pu rentrer dans ma zone. Elle m'a formaté, m'a fait repartir à zéro. Perle sans mes fers, je dorme quand je pense à sa dio. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de l'aider en take-care. Quand je la vois ma... What would I do without your smart mouth? Drawing me and you kicking me out. Got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on that beautiful mind? And your magical mystery right. And I'm so dizzy. Over you know. Kudo ta me susu de gas ya gamme ole wa ave wa me bazanti gan risto kyoto evo gbe do do suda oswe be yerika yesu ki po no bi wa 20 ogbon si korenti ebe ya bro hey ogbon po vita oba. Like a ninja in the morning, shining star across the night, the most beautiful girl I've seen in all my life. Every second spent with you is like a day that starts brand new. Girl, I'm so amazed at all the things you do. Yes, I wanna build my world right around you. So I promise you pause.
professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements des chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Voilà, alors Thomas sur le calendrier grégorien et Ablam, un prénom ou un nom Wachi. Et je crois aussi qu'à Haoto, il y a Ablam, parce que j'ai deux oncles qui se prénomment Ablam. Et Ablam Vie. Ablam Vie et Ablam. C'est le nom du jour, hein, je pense. Ben, je ne sais pas. Je sais juste que c'est très, très joli. Voilà, d'accord. Alors, merci Océane. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous sommes le 28 janvier 2021 et nous fêtons sur le calendrier grégorien les Thomas. Thomas, joyeux anniversaire à vous tous. Je sais que vous ne croyez pas sans que vous ne voyez. Et sur un pays élevé, nous fêtons les Yao Yawa. Un pays kabyen, nous avons les Sarah et les Sarah Ballon. Mais pour la conseil du jour, c'est Ablam. Aujourd'hui, Ablam. Je suis. Oui, vous savez, dans mon enfance, j'ai tellement fait l'église que. Je suis inspiré que par les chansons de la religion chrétienne. Ah ouais. Oh, peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, venez chanter Alléluia, Alléluia, louez son nom. Est-ce que je peux poser une question? Posez. Et pourquoi on dit peuple de Dieu, venez chanter, on met zoom sur moi. Est-ce que je suis obligé de chanter? Bon, on recommence. Un peuple de Dieu, un peuple de Dieu, un peuple de Dieu, venez chanter Alléluia, Alléluia, louez son nom. Un peuple de Dieu, un peuple de Dieu, un peuple de Dieu, venez chanter Alléluia, Alléluia, louez son nom. Acclamons la pause. Alléluia. Acclamez la pause. Non, acclamez acclamons Jésus. Ah, c'est Jésus. Acclamons Jésus. Non, de toutes les façons, nous parlons des Ablam. Okay. Alors, Ablam s'écrit A-B-L-A-E-M. Ablam. Alligator, prince digne de secret. Ablam, balai, éponge purificatrice des racines ancrées. En tout cas. Ablam, livre court et livre de pensée. Ablam, amoureux de la pureté et de la prospérité. Ablam, maître parfois de la tradition inspirée. Joyeux anniversaire à vous les Ablam, au Yao, Yawa, Sarah Balo, surtout à tous les saints Thomas. Mais je sais que vous n'êtes pas tout le temps des saints. Joyeux anniversaire à vous quand même. Voilà, alors je pense aussi que ça doit être l'anniversaire de notre cher ami Thomasson. Tout. Si c'est le cas. L'enfant de l'antre. Ouais, bonne fête d'anniversaire à toi, confrère, et surtout beaucoup de bonheur. Pareil, beaucoup de bonheur pour tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Mais professeur, Ablam, ça veut dire quoi, Ablam? Oui, en fait, Ablam, comme on l'a dit, c'est le pape aujourd'hui, mais quand même, c'est un nom important. Ablam est un nom Wachi. Et Wachi qui n'est pas péjoratif, hein, Wachi veut dire Mwantiao, ceux qui sont venus de Mwantie. De Mwantie. Et puisque le N grec est difficilement prononçable par le blanc, donc on dit Wachiao. Donc, c'est une contraction des noms de mardi. Parce que mardi, nous avons les Komla, les Kobla, les Kabina, oui. Ainsi de suite. Et nous avons Abla.
Abina, ainsi de suite. Oui. Okay. Mais chez les Wati, cette contraction a permis de créer un peu encore une tonation très, très, très bonne, qui est Ablam. Mm-hmm. Et souvent, Ablam vise, c'est le diminutif. C'est donc, c'est le natif de Mardi. Ablam. Moi, je connais Ablam, par contre. Qui est meunier, enfin communément appelé Monteta et Finaronton. Moi je connais un Joël qui est blanchisseur, mais moi pas au Kobe final. Parlons des Ablam. Vous connaissez le 82e député Ablam Esso. Justement, il est Ablam aussi. Coucou à toi, mon frère. Que la muse t'amuse là où tu es. Amen. Alors, nous sommes avec le professeur Abati Camille. Il est professeur d'art sacré à l'Université de Lomé. Anthropologue, ingénieur, l'homme a plusieurs casquettes. Mm-hmm. Alors, professeur, la dernière fois, on a expliqué en fond et à large la question du Nevira pour aider Océane à retrouver de la mémoire ce matin. Alors, on va lui expliquer, donner un peu d'ouverture sur le Nevira. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, avant que le professeur ne prenne la parole, je vais demander une petite doléance, c'est ça, pour nos chers amis téléspectateurs. La dernière fois, on est resté assez technique et assez soutenu. Voilà, assez soutenu. Aujourd'hui, on va descendre le niveau un peu. C'était quand même la dimension. Ouais, c'était assez high. Et puis, tout le monde avait remarqué que nous tous ici présents, on était bien. Voilà, c'est parti, professeur. Ah, oui. Ok, comme la fois passée, on avait touché le Levira. On s'est dit qu'il n'y a pas seulement le Levira, le Sorora aussi. Ah, c'est-à-dire oui. Le Levira qui vient du le mot latin Levir, qui veut dire le frère de. Ou bien ton petit frère, ou bien ton grand frère, mm-hmm. peu importe le frère. Donc, quand il arrivait que, comme on le sait, l'homme le meurt, son grand frère, son petit frère, reprend sa femme. Et cette pratique a plusieurs dimensions. Donc, quand on reste dans la dimension hébraïque, c'est-à-dire la Bible, on sait que c'est la seule loi même liée à l'inceste qui a été gardée après qu'on ait aboli toutes les autres lois dans la Bible même vis-à-vis de l'inceste. Mmh. Donc, le verset disait, si deux frères sont ensemble, d'abord une condition, et que le petit frère ou bien l'autre frère est décédé, et n'a pas d'enfant et que la femme peut encore donner d'enfants, alors il prend la femme. De l'autre côté, il faut avoir recours à la dimension même du juif qui est endogamique. Le juif n'épouse normalement que une juive. Voilà. Donc du coup, c'est une continuité pour eux dans leur contexte. Le livre, c'est une continuité d'abord de l'héritage, que ce soit matériel ou immatériel, c'est-à-dire physique ou spirituel. Ouais. Et de l'autre côté, il y a un secret qui est dedans aussi, parce que le juif, il y a beaucoup d'aspects initiatiques qui font le juif, l'hébreu. Mmh. Donc, la femme qui quitte avec beaucoup de choses. Mmh. Donc, vaut mieux la conserver dans la maison. Cependant, on peut y renoncer. Mais la renonciation passe encore par un rituel. Et c'est quoi? C'est en public, devant les anciens, la dame de la femme enlève la chaussure du pied gauche de l'homme. L'homme vivant qui veut conseiller avec la dame, voulait renoncer, ou bien c'est la dame qui veut renoncer à cela. Mm-hmm. Et on nomme désormais cette maison-là, la maison des déchaussés, ou bien du déchaussé, qui est cet aspect un peu humiliant, mais qui permet quand même d'y renoncer. Donc, quand vous lisez Ruth, tout ça, vous rentrez dans la Bible, vous allez le voir, ça est là. Mm-hmm. Cependant, quand nous revenons vite dans notre concept africain, ce n'est pas que ça. Le Lévira fait suite. Mais vous venez de dire en fait que cette partie est dans la Bible actuelle. Oui. C'est toujours dans la Bible. C'est toujours dans la Bible. Le Lévira, elle est là. Ouais, c'est d'ailleurs pourquoi dans le Nouveau Testament, cet homme qui épousait une certaine dame mourait. Et on arrivait vers le Seigneur pour poser la question. C'est parce qu'elle se remariait, elle se remariait. Donc, l'autre aspect que je n'ai pas touché, le musulman ou l'arabe
ne mange pas le porc, mais le juif, c'est pire, lui. Non seulement il ne mange pas le porc, il ne touche même pas le porc. L'hébreu, pourquoi? Tous ceux qui ont fait la production animale, des chercheurs vous diront que le porc est l'animal à qui déteste la consanguinité. Quand il y a un porc mâle qui trône parmi les femelles pendant longtemps, les enfants commencent par mourir ou bien deviennent chétifs. Donc le juif étant endogamique et gardant, ce système lévira évite une énergie extérieure qui viendra s'opposer à l'énergie de la préservation, de la conservation de leur clan. Donc quand nous rentrons dans le lévira dans la Bible, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est plutôt toute une scientificité religieuse qui évolue. Là, je ne peux pas les juger, c'est à eux de voir l'évolution quand je parle d'Israël. Maintenant, à moi, à notre niveau, le concept, je vais aller rapidement, fait suite à ce qu'on appelle veuvage à Hoawa. Parce que il y a quelque chose qui est dans la famille. Si, excusez-moi, les gens qui sont du nord ne comprennent pas, parce que je vais parler un peu élevé dans ça. On dit Ka. Quand vous allez en Égypte aussi, c'est toujours Ka. Ka, c'est l'énergie vitale. Et Ka, le Dieu dit Aboka, Adrika, l'amnésie, que l'énergie vitale avec Ka arrive. Donc, une femme qui vient épouser ou bien qu'un homme est épousé, intégré dans une famille, a développé le Ka ou l'énergie vitale ou l'énergie de vie, si on veut parler en termes très simples de santé, de tout, qui est un patrimoine de la famille. C'est un patrimoine de la famille. Donc, on se dit qu'après sa mort, c'est resté encastré dans la femme. Donc, toute femme qui part, ça qu'on enlève cette énergie et qu'une autre semence s'y ajoute risque de perturber l'aspect mémoriel de la famille. C'est pourquoi il faut d'abord couper la corde à Hoka. Et voilà que la personne qui coupe ça, qui doit être frère, ne peut pas laisser la femme. Ça devient de l'adultère s'il laisse la femme se promener dans le village. Donc du coup, tu coupes la corde, tu épouses la dame. Donc c'était ça. Maintenant, ça s'est métamorphosé en mal. Et aujourd'hui, comme on le disait la fois passée, la tradition, comme dit Honora Agassi, n'est pas ce qu'on ne peut pas changer. Mais c'est ce qui reste quand on a tout changé. Donc maintenant, il faut des concepts, des réflexions pour, comme je le disais, conscientiser et pouvoir changer ça. Parce que nous avons encore le même pouvoir de lier et de délier les choses qui appartiennent à tous les clans en Afrique. Alors, professeur, moi, ma première question, c'est de savoir si aujourd'hui, le lévirat reste une chose positive pour notre société ou elle est complètement négative, aujourd'hui. Oui, nous, on ne répond jamais dans la thèse de l'antithèse seule. Ça dit positif ou négatif, c'est le temps qui l'annonce. Il fut un moment, supposons qu'il n'y avait même pas de mariage. Il y avait des situations pires qu'on ne peut pas dire. Il y a des situations de nesoukhe. Si vous lisez au Bénin, dans le royaume où l'inceste princier se pratiquait. N'oubliez pas, le papa, notre papa de foi, Abraham, c'est sa soeur qui l'épouse, qui est sa soeur, qui est sa femme, qui est Sarah. C'est Sarah, oui. Sa servante, qui est Agar. Ça a donné tout un peuple. Le peuple arabe, Ismaël, le peuple juif, Isaac. Mais est-ce que vous les éliminez de la terre? Ils sont là. Mais aujourd'hui, la même chose, quand ça se fait, c'est prohibé. Donc, le temps même est évolutif. Donc, quand nous arrivons sur le lévirat, on fait le bilan des conséquences. Donc, les conséquences négatives dépassant les avantages, du coup, on s'assoit encore et on l'annule. Donc, positif ou pas, c'était le monde état relatif, les choses se métamorphosent. Là où nous sommes, ça s'est dégénéré. Et tout le monde le sait. Mais le faire, on ne doit pas le faire d'une manière violente. Car si tu veux changer l'ancien chapeau à quelqu'un, il faut lui acheter un nouveau chapeau. Alors, du coup, ce sont des réflexions, ou bien, je l'ai dit à fois par des UECC, information, éducation, conscientisation, communication, autour de tout ça. Et maintenant, laisser les corps. Selon leur religion, si c'est la prière, c'est à travers la prière, ils peuvent le faire, ils le font. Si c'est à travers leur dimension rituelle,
c'est leur liberté. Oui. Et on va voir pour une régie. Nous, pour une colonne, on a dit, c'est fini. On annule. Mm-hmm. Comme dans la Bible aussi, on a donné le pouvoir à Pierre et donc à tous les patriarches jusqu'à aujourd'hui, que ce qui lit sur la terre est lié en haut, ce qui délit là. Donc, la solution, elle est sine qua non. Mais cependant, il faut comprendre le contexte pour pouvoir mieux le gérer. Question. Voilà. Alors, avant d'avoir la question, merci au professeur. J'aimerais juste préciser pour ceux qui viennent de prendre le train en marche que nous parlons du lévira. Et donc, le lévira qui est donc cette pratique qui permet. Alors, on a le lévira, mais de l'autre côté, on a également le sorora. Voilà. Donc, le lévira qui permet au frère de prendre la femme de son frère défunt. Et de l'autre côté, c'est la sœur. Voilà, c'est la sœur. Alors, la question, monsieur Joël. Alors, professeur, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un peu flou dans moi-même ma tête, mais je vais quand même y aller. Vu sous cet angle, est-ce que nous sommes des héritiers des enfants d'Israël ou nous sommes des Africains? Parce que avec tout ce qu'on connaît comme pasteur, docteur, honorable, apôtre de Dieu, on nous dit nous sommes des héritiers d'Israël. Mais dans ce contexte, le lévira, comme expliqué, Ça n'a rien à voir d'une manière avec l'Afrique. Oui, puis je l'ai expliqué de deux. Le premier contexte, c'était la transmission de l'héritage de tout ce qui est basé sur le mariage en deux gamins. Voilà. Il n'y avait pas que ça. Ouais. Les trois filles de Lot se sont couchées avec le papa pour donner aussi les enfants. C'est écrit là, dans la même Bible. Abraham, comment l'appelle Adam, ses enfants, ne sait pas comment. Ils ont eu des enfants, on ne va pas critiquer. Ouais. C'est donc, mais quand même, c'est que quand il est allé au pays de Gog et Magog pour trouver femme, on sait tout ça. C'est ça le contexte. Donc, le phénomène semble être unique, mais la base explicative dépend de chaque clan. Ouais. Chez nous, c'est lié au fait que l'énergie est restée là. Pour libérer le mort de l'autre côté, il faut qu'il retrouve toutes les facultés, mais aussi pour partir. Mm-hmm. Et la famille aussi permet à la famille de ne pas voir une partie de son patrimoine énergétique partir. Mm-hmm. C'est ça la loi totémique des peuples. Donc, parce que le rapport sexuel, ce n'est pas seulement physique. Dans le concept africain, quand on mélange, on se mélange les énergies aussi, c'est d'ailleurs pourquoi l'enfant est noble. Mm-hmm. Parce que l'enfant qui naît a une valeur. Mm-hmm. Donc, du coup, c'est comme on met le feu dans un foyer. On éteint le feu, mais le foyer contient la chaleur. La chaleur. On appelle ça l'énergie rémanente. Donc cette énergie, il faut la peser dans la dame, la libérer elle-même d'abord. Mm-hmm. C'est dans ce contexte. Mais aujourd'hui, c'est ce que je disais, les gens transfigurent ça, ils ont un mal, parce qu'ils cherchent de l'intérêt derrière beaucoup de choses qui rend ce concept un peu caduque. Mmh. Ah oui, c'est là. Il faut y travailler. C'est plus clair maintenant. Merci beaucoup. Okay. Non, allez-y. Ok, alors, on vient de faire un résumé sur cette par rapport à Lévira de la dernière fois. Mmh. Maintenant, on va partir sur une autre question. Le professeur vient de parler du foyer. Oui. Alors, on va rentrer dans le foyer. Et nous sommes toujours dans l'art sacré africain. Et dans l'art sacré africain, nous avons aussi l'art culinaire africaine. Professeur, aujourd'hui, dans le foyer, nos femmes nous demandent d'aller à la cuisine pour les aider. Les femmes pensent que c'est une corvée pour elles de cuisiner pour l'homme. Je ne sais pas si c'est la liberté qu'elles cherchent, mais comment nos aïeux ont su découvrir cette aptitude à la femme, le talent de la cuisine dans un ménage normalement constitué. Ma femme. Ok, je vais pas vous poser. Est-ce que je peux juste reformuler la question? Oui. Déjà à la base, je vais reposer la question. Alors, professeur, est-ce que aller à la cuisine est l'apanage de l'homme ou de la femme, tout simplement? Oui, c'est ça. Ok, là aussi, j'ai un peu eu l'historique, hein, parce qu'il faut partir du contexte pour arriver aujourd'hui. Ouais. Pourquoi tout ça? La cuisine d'abord. Quand Victor Hugo disait déjà que si on pouvait travailler avec les symboles, on comprendra mieux les choses. Parce que les symboles, à côté du rationalisme, la raison,
dans l'expérience vécue. C'est là où Peggy ajoutait que Kant a les mains pures, mais n'a pas des mains. Mm-hmm. Parce que Kant parlait de la raison. Ouais. Nous sommes arrivés à une époque où la raison est en train de primer sur l'émotion et les sensibilités. Voilà. Cependant, l'art culinaire, comme on le dit, fait partie de deux choses. Le côté intellectuel qui est toute la science qu'il faut pour bien cuisiner, mm-hmm. et le côté émotionnel qui vient de esthétique ou bien l'esthétique, la beauté. Ouais. Voilà. Donc, nos ancêtres réfléchissent souvent par analogie. Pour eux, c'est la terre qui engendre les cultures. Mmh. C'est la femme qui gère la grossesse. Oui. Donc, tout ce qui est en lien avec la gestation de la vie doit être confié à celle qui doit être gérante de cette centrale énergétique qu'on appelle la cuisine. C'est de la cuisine que sortent toutes les énergies possibles. C'est pourquoi le mot dit « da ». Danuda, c'est donner la teinture. Les ingrédients sont mis ensemble, mais on va donner quelle teinture? Mm-hmm. On peut donner à des mêmes quantités à deux filles, aux mêmes quantités, les ingrédients, même qualité, le temps requis, mais quand vous mangez, les gens diront, cette sauce va mieux que l'autre. Ouais. Cet art de cuisiner, pour nous, dans la pensée africaine, c'est une quintessence que possède la femme. Mm-hmm. Et c'est à la femme de transmettre cette quintessence dans ce qu'elle cuisine. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est pourquoi on appelle la femme assis. Mm-hmm. Parce que assis, à choupé assis, mm-hmm. l'homme n'est que vertical, entre guillemets brut. La femme est multiple. C'est assis. C'est d'ailleurs pourquoi le marché est le lien entre la production de la vie. Tout ce qui est légumes, tout ce qui est tubercule, et maintenant la cuisine. La femme est la maîtresse de ce marché encore. Elle est assise. Le marché aussi est assis. Et tous les symboles de la cuisine font allusion à la femme. Le mortier, le pion qui rentre dedans. Uh-huh. Le foyer avec le bois qui rentre dedans. Uh-huh. Les deux sexes sont toujours là. Uh-huh. Même le tempoli avec lequel on écrase le piment uh-huh. dans le rebat. Tout est polarisé et au service de la femme. Si la femme ne peut pas cuisiner, elle doit au moins diriger la cuisine. Et quelque part, ça ne voudrait pas non plus dire qu'une femme malade, une femme fatiguée, devient esclave dans la cuisine. Non. On ne l'est pas femme, on la devient. Ouais. C'est des valeurs qui font la femme. Et ces valeurs, c'est de transmettre la vie. Mm-hmm. Vous rentrez à Borloo, à Thévié, on vous dira que c'est le pourquoi même une femme enceinte, quand elle fait les peaux, ne doit pas fermer complètement les peaux. Mm-hmm. On fait un petit trou pour fermer après. Ça dit que pour eux, la cuisine même, la grossesse même, c'est comme une cuisine à l'interne. Et c'est l'homme qui a, la femme qui a possède la clé. Donc, je ne soutiens pas le fait que l'homme rende esclave la femme dans la cuisine. Mm-hmm. Mais si on dans le temps, on explique les archétypes liés à la cuisine. Mmh. La femme ne voudra même pas que l'homme vienne prendre ça. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie qu'elle y gagne. Il y a beaucoup de valeurs qu'elle y gagne. Et le sens là, en Afrique, se lie à un grand symbolisme. C'est pour ça. Je suis éclairé. J'ai tout compris dans la compréhension. Alors, mais ça, déjà, j'aimerais préciser qu'ils vont faire la cuisine. Caca. Maintenant, la question, c'est de savoir. Un homme, parce qu'aujourd'hui, on a de grands cuisiniers. On a de grands cuisiniers. Il y a même des hommes qui cuisinent mieux que les femmes. Est-ce qu'à un moment donné, il y a cette, je ne sais pas, cette fonctionnalité? Il y a un transfert. Est-ce que ce n'est pas négatif, selon tout ce que vous avez expliqué? Est-ce que ce n'est pas négatif pour l'homme lui-même? On dit qu'il n'y a pas de règle sans exception. Si vous prenez même la maquette chinoise de Yin et Yang, vous allez voir, il y a le jeune Yin qui naît encore dans le Yang et le jeune Yang qui naît dans le Yin. Mmh. Autrement dit, vous allez voir la lumière dans l'ombre et l'ombre aussi dans la lumière. La lumière. Mais ça ne doit pas être un phénomène expansif. Mmh. L'homme fait la cuisine. La cuisine, c'est quoi? Quand on rentre dans les thèses, les masters sur la cuisine, ce n'est pas quand on prépare.
il y a la gastronomie, il y a la cuisine, il y a la diététique, il y a maintenant quoi? Mais l'homme doit aller chercher dans le contexte africain la viande à la chasse. L'homme doit ramener tous les ingrédients. C'est préparé que nous voyons seulement visiblement. Ouais. L'homme doit tuer l'animal. L'homme doit disséquer, mettre à peine tout ce qui est prêt. Mais ça, donc, ça se fait aujourd'hui. Non. C'est la fondamentalement, fondamentalement, il y a beaucoup, je refuse, mais je suis obligé de le dire. La femme est le seul être foyer qui peut transformer l'énergie. L'homme ne pourra jamais transformer, l'homme ne pourra que mettre de l'énergie. C'est la femme qui la transforme. Mm-hmm. C'est pourquoi d'ailleurs dans le rapport sexuel, quand le spermatozoïde rentre dans l'ovule, il fait un angle alpha égal à pi, 180 degrés, et l'ovule se réveille. Et c'est la karyogamie. Donc quand l'ovule se réveille, c'est l'ovule qui commence la méiose. C'est-à-dire la division cellulaire, jusqu'à produire les bras, les pieds, tout ça dans le ventre de la femme. C'est encore la femme qui a le pouvoir de faire sortir le bébé. Cet être-là. Donc cette énergie, la femme-là, elle doit être plutôt comment, orgueilleuse, c'est-à-dire elle doit vanter plutôt cette valeur de la posséder. Ouais. Laisser l'homme prendre une bonne partie de cette énergie, c'est en fait créer ce qu'on appelle la phagocytose. Mm-hmm. Ou d'ailleurs, la loi de psychopompe. Vampirisme. On va lire des messages. On va lire des messages. Alors, salut la poste, comment allez-vous? Super. Très mignon ce matin. Je dis à menteur que la cuisine faite par l'homme est trop bien et donne de la romance au couple. Alors, l'homme doit de temps en temps faire la cuisine. C'est Jérôme Chipouaka depuis Palimé. Merci, Jérôme. Comment est-ce que vous allez? J'aimerais juste saluer, vous saluer, ça me. Ça fait une fois de vous écrire. Merci beaucoup. Voilà, c'est ma première fois de vous écrire. Merci beaucoup. Les gens, ce n'est pas pour, ils sont pas là pour défendre le fait que les hommes mettent les corvées sur les femmes pour cuisiner. Nous expliquons ce que gagne la femme, l'image femme dans la cuisine. Cependant, l'homme doit aider à la cuisine. Voilà. L'homme peut cuisiner, mais l'homme ne doit pas prendre tout l'aspect de cuisine sur le plan anthropologique. Alors la femme devient quoi? On n'est que nous, il faut être polarisé. C'est les valeurs que nous avons. Et d'ailleurs, il y a d'autres aspects. C'est, s'il y a le temps, il y a l'aspect séduction dans la cuisine. Il y a l'aspect sécurité dans la cuisine. Quand tu sécurises ton foyer, il y a beaucoup d'aspects qui sont dans la cuisine du point de vue culturel. Mais là, du point de vue restauration, on s'entend, c'est autre chose. Si je voulais poser la question, Alors, depuis Nouakchott, en Mauritanie, il dit bonjour à la pause. Il y a des Arabes chrétiens aussi, et le porc n'est pas illicite pour eux. Oui. Je fais référence donc à l'explication en cours. Océane, je sais à peine cuire un œuf correctement. Je peux juste faire mon café, espresso ou chauffer de l'eau. En tout cas, merci beaucoup à vous, monsieur. C'est très, très sympa. Et merci surtout de nous suivre. Alors, je viens de vous prendre en marche, mais par rapport à la question de notre confrère sur la cuisine, donc on pense que la cuisine est faite pour la femme et moi, je dis non. Et pour ce que dit le prof, qu'il m'excuse, mais c'est une histoire ancienne. Il y a de nos jours des hommes paresseux qui laissent les femmes tout faire. Oui, c'est un avis. Je crois que ce n'est pas un débat. Oui. Mais la personne me rejoint. Puisque je dis, ce n'est pas moi, j'explique ce que la femme gagne. Mm-hmm. C'est-à-dire, on peut descendre tout sur la terre. Vous allez comprendre, l'eau ne tombe jamais du bas vers le haut. Et une pile ne peut s'allumer que du pôle positif et négatif. Mm-hmm. On n'est pas femme, on la devient. Vous devenez femme comment? La femme ne doit pas être esclave. Elle doit avoir sa liberté. Nous défendons bien ça. Mais cependant, on ne dit pas que l'homme rendait esclave la femme dans la cuisine. Non. La femme doit savoir que c'est sa valeur, ça. Mais l'homme doit activement y participer et même la remplacer. Je l'ai bien dit. Une femme malade, fatiguée. Enceinte. Une femme qui a... Non.
une femme qui n'est pas dans sa peau de cuisiner, tu dois savoir cuisiner. Moi, je ne viendrai pas dire ici que la cuisine est pour les deux sexes. Non, non, anthropologiquement, ce n'est pas ça. Si c'est comme ça, déraciner les filles là-haut, les écaltis sociaux pour la femme. La femme doit prendre les coupes-coupes et aller faire tous les travaux possibles. Nous sommes en Afrique, l'essence préexiste à l'existence. Merci. On existe, mais on a quel essence? Si nous n'avons pas notre quintessence, nous n'existons pas. Maintenant, au temps moderne, où la cuisine n'est même plus cuisine, c'est les gaz. Moi aussi, je suis producteur du gaz. On se met debout, on peut préparer, maintenant, l'homme peut préparer, la femme peut préparer. Mais quand nous restons dans l'art sacré qui est un contexte, on doit parler de la dimension spirituelle, religieuse, culturelle, et rituel même de tous les archétypes qui font de l'humain. Ouais. Je m'excuse. Elle doit apprendre. Alors, professeur, j'ai une question de change de dimension, c'est vrai. Alors, professeur, d'habitude, on dit... Je précise quand même que ça va être la dernière question. Il y a le temps. Alors, au foyer, je suis muselé sur le plateau. S'il y a problème entre l'homme et la femme, on dit souvent, c'est-à-dire les mamans conseillent souvent aux femmes de toujours préparer à leur mari. Mm-hmm. Et du même constat, on remarque que même s'il y a querelle, quand la femme ne prépare pas à manger à son homme ou à son mari, ça lui fait mal. Ça veut dire quoi exactement? Et de la même manière, quand la femme prépare malgré ça et que l'homme ne mange pas, ça lui fait mal. Vous voyez, ça lui fait mal. Mais au même moment, on dit, c'est lui qui doit préparer. C'est-à-dire, quand nous prenons le repas, nous sommes ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous mangeons. Cuisiner passe par tous les aspects. Dans ce qu'on appelle les eschatologies ou bien la mort, on cuisine là-bas. Ça a une autre dimension. Même ceux qui mettent des plats dans le cercueil, ça a une autre dimension. Quand on fait sortir l'enfant, on cuisine là-bas. Ça a une autre dimension. Quand on est nouvellement marié, on cuisine. Ça, c'est pourquoi on ne dit jamais soleil de miel. On dit lune de miel. C'est la lune et Sana. Non. La femme est en liaison, elle est tiers Sana avec la lune. Donc, je me limite à beaucoup de choses. Au Bénin, on appelle quoi? L'homme, c'est Soumouglebénou. Et la femme, c'est Nyon Khoessi. Pourquoi on voulait que Soum devienne Khoessi? Et que Glebénou Bédi, l'être de l'extérieur. C'est l'être encore brut que la femme doit raffiner. La femme est femme. Elle est maman, elle est tante, elle est soeur, elle peut même corriger l'homme. La femme est la racine, femme nue de Senghor. La femme est toutes les valeurs et les coups de pilon de Birago Diop. C'est le coup qui réveille, c'est la femme. Le parfum qui est partout, l'odeur qui est dans la cuisine, qui envahit la maison, c'est la présence de la femme. Elle est incontournable. Non. Donc, si on le voit dans sa négatif, on ne va rien comprendre. Mais l'homme doit aider sa femme. Merci. Alors, professeur, selon vos explications, l'homme ne devrait pas aider sa femme à la cuisine. Quelle est la place de la femme et quelle est la place de l'homme? Comment un homme doit considérer la femme? Vous avez vu, je n'ai pas répondu à sa question parce que ça aboutissait à ça. Ça devait créer une polémique. Ce que l'homme mange, la femme vient de mettre un système que les banques utilisent. Quand tu déposes ton argent, on l'appelle quoi? De l'épargne. Mais tu crédites la banque. Oui, la crédité. Ouais. Alors, c'est la loi, je vais le dire, je le dirai, c'est la loi même du sacrifice à tous les dieux, même au Dieu le Tout-Puissant. Sacrifier quelque chose à un dieu, c'est de l'endetter pour qu'il fasse un retour. Cuisiner pour ton homme, c'est de l'endetter. C'est pourquoi, quand il prend pour avoir de l'énergie, il ne doit pas avoir séparation de corps non plus longtemps dans un foyer. Ah.
Alors, une femme qui balaie tout le temps la maison de son mari, lui prépare à manger, et que le mari ne s'engage pas dans ses devoirs, quand il y a jugement familial, ou bien la question, et dans la mode, tant que c'est des arguments qui fondent le fait que la femme reste au-dessus de son foyer. Donc, quand on va rentrer dans la cuisine, c'est la seule force que la femme tient dans ce monde, dans son foyer, si nous parlons d'un foyer normal. Je comprends bien pourquoi au Sénégal, on ne permet pas à un homme de rentrer dans la cuisine. Ah oui, c'est d'ailleurs pourquoi on initie la femme dans tous les mets possibles de créer plus de notifications pour ton enfant, d'activer l'intelligence. Vous voulez que aujourd'hui, que tout ça là parte en vol, c'est une transmission. C'est dans la cuisine, on crée l'être humain. Et Dieu met l'âme dedans pour l'animer. Et c'est la femme qui crée l'être humain. Yes. Merci professeur. Merci. Merci infiniment. Oui. Tu vas conclure. Ouais, mais je vais répondre à la question que tu as posée. Parce que. Alors, merci beaucoup, professeur. Ah ouais. C'est chaud. Vu sur cet angle-là, je m'engage à préparer pour la femme pour l'endetter. Non, non, en fait. Non, c'est pas normal. C'est clair. Merci. On sortit les pétales là, on va préparer. On vient aujourd'hui. Non, 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 vous n'embêtez personne. Non, on va préparer. Merci infiniment pour ces éclaircissements. On n'en aura jamais assez. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on a bien envie de consacrer toute cette émission au professeur parce qu'il y a beaucoup de questions. Et il y a également beaucoup de messages qui viennent pour vous. Il y a quelqu'un qui dit fini le message par bisous, papa. Il y a qui dit salut la pause. Océane, dit à papa barbu, attention, que je suis folle de lui. Je vais être sa fille. Voilà. Sa fille. Attention, sa fille. Alors, merci mon professeur, vous avez tout dit. C'est monsieur Eric Capuchichi depuis le Bénin. Et il ajoute, après Dieu, c'est la femme, mais elle ne s'en rend pas compte. Merci. Voilà, c'est ce qu'on voulait alors, comprendre. Salut la pause, je mets deux doigts sur le front du professeur. Ah ouais, merci, 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 merci. La participation de l'homme à la cuisine doit être une exception et non un principe. Justement. Achille le loup solitaire depuis Kekaveli. Merci beaucoup. Hein. Bonsoir, comment allez-vous? Super, je suis très heureux de vous suivre et je passe par vous pour saluer monsieur Capieni Jean, électrotechnicien à notre chien. C'est Clémentine depuis Atakpamé. Félicitations, Atakpamé, monsieur le professeur. Bah oui. Merci infiniment. Alors, on va parler cinéma. On va parler cuisine également. Et nous avons notre Miss Martha qui est dans le studio. Non. Si, si, Miss Martha, tu vas venir aussi endetter les hommes. Ah. On va parler cuisine. Et j'espère. Nous qui allons vous endetter. Et j'espère, je compte sur Madame Johanna pour vous créditer. Madame Johanna, on va vous créditer. Allez, on part pour tout ce qu'il y a comme jingle. Et juste après, on retrouve Joël, Miss Martha et naturellement Yannick.
12. Allez, bonjour, menteur. Est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone du professeur? J'aimerais discuter du sujet Wachi avec lui. Femme, c'est pourquoi je dis souvent que la femme est Dieu et Dieu est femme. Bah, et de ce côté, je suis très intéressée à suivre cette émission. Sinon, à mon humble avis, la femme n'est pas une esclave de la cuisine. Effectivement. Mais je peux dire que c'est son travail qu'elle fait car elle a toutes les qualités de cuisinière. Raison pour laquelle certains hommes ne savent pas cuisiner, mais leurs femmes le savent. Wow. Enfin, donc, la cuisine est un héritage pour les femmes, en fait. Et c'est de la part de Paul Combatté. Je jette des fleurs à monsieur le professeur. Wow, merci beaucoup. Alors, Eugénie, depuis Adam Avo qui dit mes félicitations au professeur. Exactement. Mon habit, là, je ne donne pas. Oh. Merci beaucoup. C'est très, très gentil. Merci au professeur pour toutes les explications. Mais à nos jours, nos enfants, que ce soit nos filles ou garçons, sont tous des paresseux. Ah oui. Parce qu'ils ont des master 3 ou 5 ou des licences dont ils ont accueilli le bon Dieu. Pour la société. Mais bon, je comprends qu'ils ne savent pas cuisiner. Merci beaucoup. Miss Martha, good morning. Good morning. How are you? How are you? I'm fine. Yeah. Yes. I'm fine. You look very, very beautiful. You too. Yeah. Thank you. I'm trying to be like you. Girl, stop. Si elle s'est préparée avec l'anglais là. Oui, Martha c'est une grosse cuisinière. Non, attention, c'est, hein, c'est faut pas croire. C'est pas une très bonne et grosse, elle est grosse, grosse cuisinière. Hein, c'est voilà même quelqu'un qui. Alors, Miss Martha, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous faire passer des tests. Ah, des tests? Okay. Oui, des tests. COVID. Comment on te... Oui, belle question. Merci Yannick. Merci Yannick. Really? Non, c'est ok. Donc so, voilà, aujourd'hui, je vais vous faire passer des tests. Quel genre de tests? Avec des couleurs. Oui, avec des couleurs. Est-ce que vous vous rappelez, entre-temps, j'avais fait des combinaisons. Voilà. Oui, bon, non, on ne va pas parler de forme aujourd'hui. On va parler que de couleurs. Okay. Voilà. Entre-temps, j'avais pris des photos, j'avais décortiqué les styles et j'avais donné la signification des couleurs et tout ce qui va avec. Justement, est-ce que vous vous rappelez aussi qu'au début de cette année, j'ai sorti un nouveau concept? Ouais. Et qu'après, on va avoir des dames ici qu'on va décortiquer aussi en live, ouais, tenue, couleur, yes, tissu, tout ce qui va avec. Oui. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit rappel pour vous préparer pour ce qui va venir bientôt. Mais super. Ouais, tant que ça concerne prêt, que les autres, ça va. On est prêt alors. Tiens, des dents. Bon, alors, je te dis tout de suite, moi j'ai porté du noir et du blanc pour vraiment tester ce qui s'est passé. Attaque l'autre. Bah oui, j'ai porté du non, vert. Non, c'est pas la question posée. Ah, okay. Attends d'abord. Donc voilà, avec, je vais vous donner quoi? 5 à 6 couleurs. Okay. Et vous allez me donner 3 mots qui peuvent signifier, enfin, qui peuvent signifier ces couleurs-là. Par exemple, je vais vous donner noir, vous allez me donner 3. Oh, oh, okay. Le noir, justement. Je commence avec le noir. Ça oui, signifie la vie, le deuil. Et la classe. C'est toi aussi. Ah, si c'est plus facile, tu ne veux pas m'appeler. Juste la vie, oui, la mort, mm-hmm, et l'éternité. Mm. Fais suite de toi, ma femme. Tu avais dit deuil, c'était parfait. Hein? C'est la même chose, deuil et la mort. Là, c'est... Le deuil et la mort. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met le diable en noir. Et, il bah, est ça, en c'est rouge, pas hein, vrai, par le contre. Alors, Yannick, tu fais la bouche. Trois. Yannick, trois. Trois noms de quoi? Donne-lui d'autres couleurs. Oui. D'autres couleurs, ouais. Sinon, il y en a encore. Hein. Je veux juste tester on un reste peu. Sur le noir. Oui, on reste sur le noir. Deuil, oui. Mauvaise nouvelle. Oh. Bah, tout ce qui est sombre. Quoi. Mais attendez. J'ai question oui, parce que les couleurs. Oui. Oui. Couleur noire. Oui. Tu as la cuisine, tu as la femme. Merci. Et tu as le restaurant. Merci. Mais il faut rappeler, parce que la donner les mots, je ne sais pas si c'est en fonction de la couleur, parce que la oui, couleur, c'est une valeur. Oui, il faut bien rappeler. Sûr, bien parce sûr. Parce que les morts et autres, là, mais je... La question, c'est... Attendez. La question est simple. Oui. On vous donne une couleur oui, et tu dis ce que ça t'inspire. Oui. Ah, oui, ça t'inspire. Voilà. Ah, c'est à quoi ça te fait penser. Oui, les couleurs. Non, mais pas moi, mais moi, je voulais juste savoir. Joël en a besoin. Je suis très inspiré. Ok, je vais vous aider. Ok, c'est vrai, le deuil, il y en a. La mort aussi. La tristesse. Aussi. Mais aussi l'élégance.
Merci. La oui, classe. Tape là. Ouais. Mais la classe. Même, la sublimité. Moi, j'ai parlé de la vie. Tu attendais que Martha donne la reconnaissance. J'ai parlé de la vie aussi, Martha. Oui. J'ai parlé de la vie aussi. La vie, c'est un peu compliqué. On peut aussi dire la mélancolie. Bon, yeah. C'est ça, le jeune. Ouais. Oui. Alors, le jeune. L'espoir. Le jeune, la jalousie. Bah, la jalousie. Et ouais. L'espoir. Oui, il y a également. Moi, je pense que le jeune, c'est l'espoir. La jalousie aussi. Il y a la vivacité, il y a la joie, il y a le... La gaieté. Oui, la gaieté, pourquoi la joie, pas. Oui. La brillance. Le oui. Jaune. Si, le jaune, l'orange. L'abondance. Il y a les kirches. L'abondance. La trahison également. Mais tu vois, quand je dis la jalousie, c'est pas loin de la trahison. C'est pas trop. C'est pas trop. Le tournesol également. Ok, d'accord, là, avec le pot bleu, on va sur le bleu. Effectivement. On va sur le bleu, oui. Le bleu, oui. La sagesse. Viva Philanthropie. Le bleu, il y a. Le bleu, c'est. Le bleu, hein. Le bleu. Non, il y a l'ouverture. L'océan, ouais. Non, le bleu, il y a. Le y a bleu, c'est l'union. Oui. La force. Yeah. Il me fait la force. Donc, le bleu, c'est l'union. Ah, je comprends maintenant. Le parti uni, le bleu, ça fait. Oh, okay, c'est bon. C'est l'union. Il y a la paix. Tu vois. Oui. La paix. La paix. Peace. Là, voilà. Peace. L'union. L'union. Divin. Yes. Ok. Il y a aussi la fraîcheur. D'accord, la fraîcheur. Comme dans ce studio. Bah oui, la fraîcheur. Voilà. Le bleu. On parle maintenant sur oui. Le rouge. Le rouge. On parle sur le rouge. Ah. Alors, le rouge, ça fait penser au sang, à la douleur, voilà, la souffrance. Justement, la souffrance. La, oui. La liberté dans un sens. Mais pensez quand même aux couleurs du drapeau national. Le rouge, le sang versé, l'amour. Oui, l'amour, c'est la passion, l'amour du 14 février, mais j'ai la colère. Rose, comment? D'ailleurs, même en fait, un coucou à tous les célibataires, Saint-Valentin arrive. Oh, c'est menti, mal. Ah, voilà, je te dis, c'est en février, là. Alors, Rose. Rose, bonbon. C'est l'amour. L'amour, la féminité. Oui, pas d'autre. La loyauté. Tu reviens à la cuisine, la chez Joël. Ouais. D'accord. L'innocence. La féminité. L'innocence. Oui, la sensualité. La sensualité. Voilà, justement. Tu vois pas que tout ça, c'est féminin. C'est la sensualité. Alors, la dernière couleur. Oui, la dernière couleur, le blanc. Oh, la vie. Alors, ça, c'est la vie, l'innocence, la paix, l'espoir. Oui, en Chine, le symbole de la mort, c'est le blanc. Bon, oui, alors, moi, je vais juste féliciter la réalisation. Oui. J'avais trouvé le vrai blanc. Bravo, Réalo. C'est l'assiette qui parle de nous. Qu'est-ce qui le blanc, justement. Alors, je vous donne trois. Okay. La sagesse. Oui. D'accord. Ah, okay. Blanc, la virginité. J'avais dit ça entre-temps. La virginité. La pureté. L'innocence. Voilà. La propreté. Ah, ouais. La propreté. La paix aussi. La simplicité. Effectivement. Voilà. Le mais blanc, tu sais ce que ça incarne. Est-ce que tu sais que le blanc, tu l'incarnes totalement? Moi? Yes. Ouais. Ah oui? Quand tu décris, je te vois. Ah oui? La virginité. Bon, ça c'est la ça c'est carrément à revoir. Mais non, la pureté, oui. La sincérité, la simplicité. Donc de plus porter du blanc. Hein. Ah, yes. Oui. La beauté. Ouais. Mais attention. Sérieusement, c'est est-ce tout ça. Il y a le gars là, Priscilla, la Joël là, le gars qui fait, le gars qui s'appelle. Ah, pour du blanc parce que ça salit très vite. Mais non, on parle beaucoup plus des valeurs de la couleur. C'est la valeur. Amenez tes amis de couleur blanche, Joël. Hein. Le persigné là. On va parler cinéma maintenant avec Monsieur Joël. Merci Océane. Je voulais te donner mon temps au professeur. Ah, oh. Malgré ça. Bon, on va partir pour une vidéo. Oh. Oui, et oui, on va retrouver Madame Johanna aussi pour parler. Par contre, je suis d'accord. On va partir pour la vidéo. Je rappelle que cette vidéo, demain, c'est la fin. Ceux qui veulent encore le test, vous avez encore jusqu'au week-end pour nous envoyer les éléments. Voilà. Et nous, on envoie les tests jusqu'à demain vendredi et donc tout. On envoie plus de tests à partir de demain après l'émission. Néanmoins, si vous êtes intéressé, vous avez l'autre volet d'inscription parce qu'il n'y a que 10 places donc vous pouvez vous inscrire pour suivre la formation des acteurs. Ouais. Mais le test que nous avons envoyé, il y en a d'autres qui ont réussi, du moins je trouve c'est appréciable quoi. Nous tous on y va, on apprécie et puis on revient juste après. Pourquoi tu ne dis rien?
Allô? Allô? Bébé, ne me fais pas ça, s'il te plaît. En ce temps de confinement, si tu me laisses seul, je risque de perdre la tête. S'il te plaît, mon cœur, dis-moi quelque chose. Allô, bébé? Allô? Tu sais, je ne peux pas rester enfermée jusqu'à ce que ce coronavirus ne disparaisse. J'ai essayé d'essayer ça pendant 2 jours, mais là, je n'en peux plus. Je préfère mourir de coronavirus que de mourir de faim. Je peux te jurer que je me protège. Je lave mes mains chaque fois, plusieurs fois même dans la journée. T'as même pas t'inquiéter. C'est notre amour est si fort que Corona ne peut nous atteindre. Oh. Pourquoi tu ne dis rien? Allô? Allô? Bébé, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Si tu me laisses seule en ce temps de confinement, je risque de perdre la tête. S'il te plaît, mon gros, dis quelque chose. Allô, bébé? Allô? Tu sais, je ne peux pas être enfermée jusqu'à ce que ce soi-disant corona ne disparaisse. Je l'ai essayé 2 jours, mais là, je n'en peux plus. Je préfère mourir de corona que de mourir de faim. Je peux te le jurer, je me protège tous les jours et je lave mes plusieurs fois dans la journée. T'as même pas t'inquiéter pour moi, oui. Notre amour est tellement fort que le corona ne peut nous atteindre. Bébé? Là, il a coupé. Allô? Allô? Est-ce que tu m'entends? Pourquoi tu ne me dis rien? Allô? Allô? Bébé, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Voilà, alors vous avez compris, il faut juste jouer exactement comme ces dames-là. Allez. Moi, je trouve quand même qu'elles sont talentueuses. Hein. J'aurais pas mieux fait, franchement. La voix, yeah. On a quand même une présence à l'antenne. Ouais. Et donc, à partir de là, on peut quand même juger quelque chose et puis on peut les exploiter. Quand je parle d'exploitation, c'est qu'elles sont disposées à suivre une formation. Ouais. Et donc, pour ceux qui sont encore à la maison et qui désirent rejoindre l'aventure, écrivez-nous sur le 96 06 06 06. Nous allons vous envoyer le test. Vous allez aussi essayer comme elles ont fait. Et vous avez aussi la possibilité de nous écrire sur le 98 30 15 69 pour
d'autres informations. On se retrouve demain avec une nouvelle aventure par rapport à ces vidéos. Et c'est la fin de la semaine. Aïe, 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 qu'est-ce que ce sera vendredi? Vendredi, mais aujourd'hui, on est encore jeudi et cette émission n'est pas terminée. Pas du tout. On va créditer. On va créditer. Voilà, nous sommes avec la responsable du restaurant et c'est Nam. Kitchen, elle s'appelle Adieko Johanna et aujourd'hui on vous emmène, on voyage avec vous vers le Ghana. So I just want to greet all my viewers from Ghana, Accra. I know that you are here. Hello, how are you? Okay, j'abandonne sur ce coup. Good morning, Madame Johanna. Good morning. How are you? I'm doing good. Okay, Martha, tu me sens, non? Alors, Yannick. Ok, bon, tu as fait déjà l'introduction. Et aujourd'hui, Madame Johanna nous présente deux plats. C'est le Togagna. Au lieu d'un plat, on a un plat du Ghana et un plat chez nous. Okay. Et le plat chez nous, c'est la sauce d'arachide accompagnée de molkoumé, la pâte du riz. Okay. Et le plat du Ghana, c'est une sauce faite à base de feuilles de manioc accompagnée de bankani et de plantain. Voilà. Le bankani, c'est comme de l'igname. Voilà, C'est autre chose. D'accord, ok. Alors, Madame Johanna, il y a eu zon, il y a bon. Yo. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut zoomer sur moi au moment où je ne peux pas zoomer? Parce qu'il y a une certaine fumée qui sort. Vous aurez la fumée et nous, on a le reste. Mais au moins, je partage avec vous la fumée. Alors, est-ce qu'on peut faire un plan vraiment serré sur le bol, maman, et l'ouverture? Elle avait apporté, mais comme on n'a pas le temps de se servir. Je ne sais pas. Si ça peut se faire, ce serait très bien. Ça va se faire. Toi-même, tu sais le calcul avant de venir. One, two. Clairement, la régie vous montre. Bien, ok, madame Johanna. Ah, c'est fait. Attendez, il faut ouvrir. Ma femme, faut ouvrir. Voilà, on a vu la cuisine de la femme. Alors, ici, c'est la sauce d'arachide. Hein? Ah, si seulement je pouvais montrer. Attendez, je vais essayer. Est-ce que je peux sortir jusqu'à devant? Non, même pas. Donc ça, je peux le faire. Donc je viens là-bas. Alors, tu poses des questions. Madame Johanna, mais de quoi est-ce qu'il y a des bons qui est composé des équipes? Que sont la DCA? Asie DCA. Et tu y a des bons. Il y a des propos sur Tinami. Allez, que vous donnez. Donc, ingrédients qu'on vous en a, cacao, thé, on a. La donne-nous. T'adonne, merci. Moi aussi, je me devrais excuser moi. Et là, c'est un miso asie. Et puis, à mi-toi, mi-dé, et nuit, et tu as réun. Et puis, à mi-matui. Ta asie, à miso 200 grammes. Ok. Et miso, oui, miso coucrona. Kudo et la mémé. Et boue bécé, adjiboro. Ok. Agbissa. Agbissa. Fifi a mis ton Asie me, t'as mis aussi vite son côté casserole me, mais quoi Asie côté me, mis le bruit. Fifi a mis tout timati, mine bécé, bois bécé, garlic, ayo, mais ça bécé j'ai un coup d'eau, bois bécé, y a mis sorti, timati chayi me. Timati ganvi meto amine gasi ameton yemi so blue asia ta hemi le blue ya unto wa ko be amile vaji ta na mile vaji afia be asia nto ile bivo ebe asia ne binwi de kengbe ola nesi aso ina aso gwen ta hemi we wa si be 30 minutes iba so isi akogwen ifia mi abe na cha ele ju ajivo mi so enu ho ke hemi tuwa mi potodi ta mi so kore inaji ejo aji ta he ya ewo he e de desia e so e etike hemi kode aziajia he bi vile voa iba kode inaji ifia mi ba ko as enu tutua mi ba ko egwen potia mi ba so ajibolo
Bwebe se, sa... Yesu. Non. Non, Agbisa. 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 Yemi so kodi yoni. Non. Ke... Mba chaka non. Mwa yoropo. Ke lebi si be, e poto 40 minute e la bia, mi va so en la meme, mi kwasa na meme ya kwa. Mi va so di ome. Wow. Da, this ya, e bina si be, 1.5 hours. Gapo po odi ta kwa. Kwa, 1 hour. E, this ya bia. Pe fya mi a yi, mi a mi a kumi a di. La lo si joji. Amener ni à Théma Doun qui est les films. Mais attends, on n'a pas encore fini la présentation, c'est pas que la sauce d'arachide. J'adore ça. Ici, on a quelque chose ici. Kotombri. Même Kotombri, on m'a dit que je suis là. On m'a dit que je Wow. Oh. Est-ce que comme ça on peut voir? Je passe encore de l'eau. Ça c'est que, voilà, après la pique du canard, karma. Jimekbe. Ah, on a mis à l'homme. Ok. Alors, c'est quoi le coton blé? C'est des feuilles de manioc. C'est des feuilles de manioc? Non, c'est des feuilles de tarot. Makani Makpa. Ok. Makani Makpa. D'accord. Ok. Et avec quoi, Daniel? Et y a miso et Makani Makpa. C'est bien 1 kilo. Miso, Azike Mida, Danaï. Miso, Djemekbe. Et Dwevi, Sassia, et Achelemi. Amitien et Bwebese Besejen Kudo Timati ta Besejen Kudo Timati Sabria Miade Milada Kontomrecha okeke Milade revu ifi amila tu Bwebese Timati Kudo Onia Milati ta ne bivu akengbe mi aso e Timati aso demu ne bi mi ti vo e me ni de vo mi la so kon to me mi la tu de mi kwa me gbe jemi pe ya e je be an no very careful jemi pe je be na bo e ni de be e je a ko be e je no na me su bu ta a ko e de si me wa ra so kote kote ne tutu gba e je be e pu ke le kote kote ta ola deju ta ne o deju vo ola pase no pase so do si me si be 30 minutes e je ane jo le me vile aga bu ba ta don li si ya aga ne si bubu si be 15 minutes ne opo be eji adidi vira o la tando epo e je be ani si ama o la do epo ke ngbo e o la so ni kiyan no po be eji adidi vire kwa o la so mi do joji o la to e si be 10 minutes kote kote fifi o la ba so mi abe do e vi sa si ya che o la be itani a de tani keke ya che o to no na itabe e fun ta o la pase ni le si be 3 fois no po be et quoi et nous de mes voix là et de lance et si porté à Odolia la vanne et tu vois vos vidéos on va tuer ami jemi ami am gasu so ami vitu pere ko ola tere me keke ife ola ko vitu pere aso ko de enu ke otume a ola bure keke ola ko ami de joji a cho sabre de mi ai ato e oui ato de aso ko de enu aji le bi gba e wo haleluya la famille n'a pas de réunion. Alors, oui, il faut qu'on donne le numéro de Madame Johanna parce que. Voilà. Alors 92 62 08
74. Si vous avez envie de commander de la bouffe de chez nous, de la bonne bouffe de chez nous, et faites avec soin. Justement. Avec amour. Comme Madame Johanna l'a fait. Et je veux préciser qu'on est avec Madame Adiekor Johanna. Elle est responsable du restaurant Essenam Kitchen. Et pour la joindre, c'est le 92 62 08 74. Thank you so much, Madame Johanna. Merci à tous ceux qui ont envoyé tout plein de messages. Un grand merci au professeur Agati pour ses éclaircissements. Merci à la réalisation. Professeur. Tout le monde est invité à cette bouffe. Non, comment tu fais les choses? Si seulement la porte du studio est encore ouverte. Hein. On se dit à demain. Demain. Gros bisous. La pause.